Bonjour et bienvenue sur Lost TV. Nous sommes ici devant la salle d'honneur de la mairie où se déroulent actuellement les répétitions du spectacle musical de Xavier Lacouture, Mitoyen, Mitoyenne. Venez, nous allons à sa rencontre. Alors dans le cadre des Goliades, il va être proposé différents spectacles dont Mitoyen, Mitoyenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le spectacle ? Donc Mitoyen, Mitoyenne, c'est une création musicale de Los Angoël, donc qui parle de la thématique du voisinage, qui va raconter des histoires des différents quartiers de Los, avec des histoires d'hier et des histoires d'aujourd'hui. Voilà. Et ça demande beaucoup de travail quand même. Ah ben là, on est sur les textes depuis... on a écrit en octobre, hein, il faut écrire bien en amont, puisque la plupart des gens sont des amateurs. Les musiciens sont des professionnels. La mise en scène doit être assez précise. Il appelle à deux habitués, hein, Xavier et Guillaume de France. Oui, on travaille régulièrement avec Xavier Lacouture. Ça fait plusieurs spectacles qu'on fait ensemble. Et maintenant, les Lossois commencent à bien le connaître. Donc ça crée aussi, je crois, une vraie relation humaine. Et ça permet de faire de jolies choses ensemble. Et puis, bon, moi, j'aime beaucoup aussi que le rendu du spectacle soit rendu professionnel. Donc là, on travaille avec des professionnels et des amateurs. Et ça permet aux gens aussi de prendre du plaisir et de découvrir plein de choses en même temps. Et d'apprendre à faire de nouvelles choses aussi. Vous avez créé les textes, la mise en scène. Les textes, la mise en scène, oui. Et la musique, c'est Guillaume de France qui a... Et c'est encore une nouvelle aventure avec Guillaume de France, justement. C'est encore... Bah, ça devient maintenant une aventure d'une dizaine d'années, puisqu'on avait fait au départ... le premier contact, c'était les Zouzouilles. Et donc, c'est il y a plus de 10 ans où on avait fait la comédie pour enfants. C'est la première chose qu'on a faite ici. On l'a repris la même chose 5 ans après, enfin avec une petite évolution, puis d'autres enfants. Et puis ensuite, il y a eu cette aventure de graines de germinal. Donc c'est la quatrième aventure commune avec Guillaume. Et c'est toujours un plaisir de travailler avec lui, parce que d'abord on se connaît depuis 10 ans. C'est notre troisième collaboration ensemble. Pour des spectacles musicaux, disons, que ce soit la comédie musicale Les Zouzouilles qu'on avait créée en 2003 ou Graines de Germinal en 2010 et aujourd'hui Mitoyen, Mitoyenne. Donc c'est la troisième aventure et c'est toujours très agréable. C'est quelqu'un de très agréable à travailler. On s'entend bien sur le partage des textes et de la musique, donc on est vraiment complice sur le projet. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour le spectacle musical de Xavier Lacouture, Mitoyen, Mitoyenne, le 24, le 25, 26 mai, au foyer Omer Caron. Merci, au revoir.